Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus à votre émission Sans Tabou, consacrée aujourd'hui au harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Moudi Ekete Salim, il est chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bienvenue sur le plateau. Merci. Également de la partie, Madame Choking Edwidge. Elle est enseignante. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va bien. Merci. D'accord. Alors, si je vous demandais de nous définir ce que c'est que le harcèlement sexuel et moral, surtout en milieu professionnel, qu'est-ce que vous diriez? Définir le harcèlement sexuel. Sexuel ou moral? Les deux. Sexuel, je dirais, c'est lorsqu'une personne est soumise à répétition, à des attaques, à des insultes, bref, de quelque sorte que ce soit, oui. Et qui la mettent mal à l'aise. Ça c'est, je dirais, le harcèlement, harcelé dans son sens global. Mais l'harcèlement sexuel, je dirais, c'est quand quelqu'un ne veut pas de toi et puis tu insistes à répétition, tu cherches les moyens de nuire à la personne, et voilà. Donc, c'est ce que je pense du harcèlement sexuel. Oui. Et le harcèlement moral, il est différent. On va remarquer le manque de respect, l'agressivité, les réprimandes devant les collègues, et plein d'autres choses. D'accord, merci pour votre définition, Monsieur Salé. Y a-t-il une différence entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral? D'abord, l'harcèlement sexuel, c'est l'ensemble des pratiques ou soit de propos ayant pour le but d'obtenir un gain sexuel. Et sans le consentement de la personne, sans son avis ou bien sans son accord. Maintenant, l'harcèlement moral, d'ailleurs même l'harcèlement en tant que tel, moi je dirais que déjà quand c'est harcèlement, c'est des tortures. Donc ça a toujours à faire, parce que quand tu essayes d'harceler la personne, c'est sans son avis, donc ça lui indispose, ça agit sur la personne directement. Donc moi je ne trouve pas assez de différence, mais tous les deux, c'est des pratiques qui jouent sur le moral. Donc on peut dire que le harcèlement sexuel et moral vont de pair. Sauf que l'harcèlement sexuel, l'objectif est d'obtenir un gain sexuel. Voilà. D'accord. Qui sont les victimes du harcèlement? Bon. L'homme, la femme ou la femme seulement? J'ai en face de moi deux femmes, mais quelquefois, c'est pas la femme, ni l'homme, mais c'est celui qui est en position de force. Et là, il faudrait qu'on puisse être tous d'accord. Aujourd'hui, dans nos contextes, surtout tchadiens, même si un homme est harcelé, tu ne peux pas sortir dire à quelqu'un que j'ai été harcelé par celui-là. Moi, proprement, si j'ai dit ma mère, mais si ma mère entend ça, il dit, mais mon fils, tu es bête. Parce que ça, chez nous, dans notre culture, quand l'homme est harcelé, il ne parle pas de ça. C'est la femme que, quand elle est harcelée et qu'elle dit, on dit que non, c'est une femme digne. Mais quand tu as un homme et que quand tu es harcelé, tu racontes et ça ne se fait pas. Bon, au fait, je voulais simplement dire que ça vient de deux côtés. Ce n'est pas seulement la femme ni l'homme. Voilà. Vous êtes d'accord, Madame Edwidge? Ça vient de deux côtés, le harcèlement. La femme peut harceler l'homme, tout comme l'homme peut harceler la femme, oui. Sexuellement, moralement. Le cas du harcèlement de l'homme, il est, si on veut essayer de le quantifier, on dira qu'on va trouver très peu de cas. Très peu de cas de harcèlement de l'homme. Mais par contre, le harcèlement de la femme, on le vit chaque jour. On le vit chaque jour à tous les niveaux de la classe de la société. Donc on rencontre cela à l'école, on rencontre cela à la maison, on rencontre cela au quartier, on rencontre cela dans les bureaux. La femme est celle qui vit le plus le harcèlement.
peu importe la forme, qu'est-ce que ce soit sexuelle ou morale. Mm-hmm. Selon vous, pourquoi la femme est beaucoup plus touchée par le harcèlement sexuel? La femme est beaucoup plus touchée par le harcèlement déjà, commençons par ce que Dieu lui a donné. D'accord. La femme, elle est femme. D'accord. Et donc, elle a des atouts, physiques, elle a des choses qui attirent. Et il y a des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas la manière, qui ne connaissent pas comment aborder. Alors, forcément, si je ne connais pas aborder, je vais trouver une méthode qui me sied le mieux. Certains utilisent la violence, certains utilisent le harcèlement. Parce que si on passe par la violence, ça veut dire que c'est un harcèlement. Mm-hmm. Ça, c'est d'un. De deux, la femme, parfois, elle-même provoque ce harcèlement. D'accord. Voilà. Elle est à la cause. Elle peut aussi... Il y a des circonstances où elle est la cause de ce harcèlement. Comment expliquer? Peut-être même de façon inconsciente. Mm. Peut-être de façon inconsciente. Parce que, comme je disais tantôt, le Seigneur a donné des atouts à la femme. Mm-hmm. La femme, elle a ses rondeurs. Alors, si une femme qui a des rondeurs se met dans des tenues, qui... qui vont titiller le regard de celui qui la voit passer, mm-hmm. et que celui-là, lui, ne sait pas comment est-ce qu'il va s'exprimer, alors il va la harceler. Et le harcèlement, c'est pas seulement courir pour le sexe, c'est aussi verbal. Mm-hmm. Ça passe par des insultes, ça passe par des moqueries, ça passe par des mots violents, ça passe même aussi par des attaques physiques. Mm-hmm. Donc voilà. D'accord. Monsieur Salim, tout à l'heure, avait souligné l'aspect position sociale. Qu'entendez-vous par position sociale? Qui est l'une des causes du harcèlement. Oui, pour d'abord commencer, je voulais d'abord souligner quelque chose. D'accord. Madame Edwige avait dit que c'est ce que Dieu avait donné à la femme. Mais si nous allons... j'ai essayé de faire des petites recherches. Je me suis rendu compte que même dans la Bible, il y avait l'harcèlement sexuel. C'était dans le livre de Genèse, chapitre 39, et ça commence à partir du verset 5. Ça descend, ça donne l'histoire de Joseph, qui était un jeune qui a été vendu en esclavage en Égypte, et était vendu par ses frères, et une fois qu'on l'avait amené en Égypte, on l'avait confié à un certain Potiphar, qui lui avait confié toute sa maison. Oui, mais par la fin, la femme de Joseph avait harcelé. Quand vous lisez, vous allez arriver au verset 10, la Bible a dit que c'était répétitif. Et cette même histoire se trouve aussi dans le Coran. Pour les frères musulmans, c'était dans Sourate 12. L'histoire aussi de Joseph, c'était la même chose. Donc, quand j'ai dit que c'est la position sociale, si tu as une, par exemple, chef d'entreprise, ton patron, une directrice, toi, tu es sous lui. Si tu es un million garçon, si elle veut de toi, tu ne peux pas dire non. Si tu dis non, mais tu auras tout. Et encore pour l'homme, c'est mieux. Tu sais, quand la femme, elle veut de quelque chose, elle l'obtient. Si elle n'obtient pas, savez-vous que dans toute l'entreprise, vous aurez des problèmes. Donc, dire que c'est les femmes qui sont beaucoup plus harcelées, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que vous, les femmes, vous nous harcelez tous les jours. Vous nous harcelez tous les jours, même dans vos tenues au bureau. Mm-hmm. La plupart des femmes qui sont harcelées sexuellement, c'est par rapport à leur système d'habillement. Ouais. Vous vous habillez très bien pour le bureau, ouais. Mais très mal chez vous. Les habits que vous portez pour séduire vos patrons, mais vous ne portez pas pour vos maris à la maison. Donc, soyons un peu là, connaissons que ça dépend de la position. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a eu déjà des cas de harcèlement dans votre entreprise? Non, au fait, pas du tout. J'ai pas vécu ça. Mais des pareils cas, il y a des expériences que j'ai eues. J'ai eu assez d'amis. Il y a un, paix à son âme. Lui, il m'a fait comprendre une fois. Il me dit qu'il est harcelé tous les temps par son chef, qui est une femme, une expate. Et qu'il est obligé de se soumettre à cela. Sinon, ça serait sérieux. J'ai aussi une amie qui m'avait parlé aussi de son harcèlement. Ça, c'est, on ne cite pas les contemporains. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça, c'est des trucs récents. Ça, c'est vie même. Donc, c'est des choses qui se vivent tous les jours dans nos sociétés.
Voilà. D'accord, comme Madame Edwige l'a dit tout à l'heure, c'est une pratique que l'on rencontre un peu partout, que ce soit dans les milieux professionnels, à la maison, dans les quartiers. Vous, vous êtes enseignante. Oui. Est-ce que vous êtes, vous avez eu des cas de harcèlement dans votre établissement? Non, 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 pas du tout. Pas d'accord, du tout. D'accord. Peut-être quand nous, quand moi j'étais encore élève, on a vu des camarades de classe harcelés par des enseignants. Mmh. Et ce n'est pas du tout beau à voir, parce qu'il y a des répercussions sur le travail de l'enfant, il y a des répercussions sur le comportement de l'enfant après. Puisque quand l'enseignant vient, elle ne veut plus rester en classe. Donc au moment où l'enseignant va passer son cours, elle va vouloir sortir avant qu'il n'arrive. Et c'est comme ça que quand il y aura évaluation, elle n'aura pas forcément la note qu'elle mérite. Beaucoup plus au niveau universitaire. Ça se passe, ça se vit, on rencontre ce type de situation. D'accord. Aujourd'hui, dans notre société, le harcèlement est considéré comme quelque chose de tabou. On n'en parle presque pas. Cela est dû à quoi? Tout à l'heure, vous disiez que quand un homme est harcelé, il n'a pas le droit de venir se plaindre que je suis harcelé. C'est un problème de culture. Oui, mais ça, c'est un problème de culture. Pratiquement chez moi, ça serait un peu drôle de venir et dire aux gens que je suis harcelé par cette femme. Mais ils vont dire, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Tu es bête, tu n'es pas un homme ou bien quoi? Donc tu vois, il y a aussi question de culture. Mais si c'est la femme qui a harcelé, là au moins, là, on trouve que non, c'est pas normal. Si elle ne veut pas de toi, elle est libre, pourquoi tu la harcèles ainsi de suite? Mais si c'est la femme qui veut de toi, même si elle essaye peut-être d'être un peu pacifique, elle te fait des petits cadeaux qui ne t'intéressent pas, tout ça, mais tu dis aux gens, ils vont dire, mais attends, c'est une femme qui veut de toi. Au fait, c'est pas un problème. Mm-hmm. On trouve que c'est pas un problème. Mm-hmm. Pour l'homme, on trouve que c'est normal. C'est normal. Mais pour la femme, on trouve que c'est un problème. Est-ce que ces femmes, elles s'ouvrent? Est-ce qu'elles se confient? Très peu se confie. Déjà parce que, et c'est mauvais aussi, parce que très peu se confie parce que elles ont l'impression de que lorsqu'elle ira dire qu'elle est harcelée, le retour c'est qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as certainement provoqué. Parce que généralement dans ces situations, on trouve toujours le moyen de mettre la faute sur la femme. Soyons un peu vrais, nous sommes dans un débat de nos jours. Lorsqu'une femme se fait taper dessus, la question qui vient en premier, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? De même que si une femme déclare qu'elle est harcelée, la question qui viendra c'est, qu'est-ce que tu as fait? Ou on va commencer à interroger son comportement vestimentaire, son comportement moral et tout le reste. Donc c'est difficile à un moment de le dire. C'est difficile de le dire. Par contre, il y a d'autres qui se plaisent dans ça. Il y a d'autres qui se plaisent dans ça et qui provoquent même d'ailleurs, qui provoquent cela. D'accord. Voilà, si vous nous prenez en marche, bienvenue à vous. Nous parlons du harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel avec mes invités ici sur le plateau, M. Salim et Edwige, qui ont accepté de venir partager avec nous, discuter avec nous sur ce thème. Madame Edwige, est-ce qu'on peut s'attarder un tout petit peu sur les conséquences du harcèlement moral et sexuel sur la victime, surtout en milieu professionnel? Les conséquences sur la victime. Déjà, le harcèlement sexuel sur la victime, il y a le repli. Donc, on verra que la victime se replie sur soi. Parle moins et a tout le temps l'impression d'être sur le qui-vive, donc on va, à tout moment, ça peut arriver, et tout, et tout. Donc du coup, se replie, devient timide, et parfois, pour ceux qui ne sont pas forts moralement, ils vont démissionner. Ils préfèrent démissionner, partir de la boîte. Donc ça, c'est sur le plan sexuel. Pour le harcèlement moral, il y a le mauvais rendement. Ce que vous êtes censé faire, vous ne le faites plus bien.
parce que vous ne savez pas si ce que vous allez faire sera bien vu ou pas. Donc, du coup, on a le doute qui s'installe. Donc, on n'a plus la capacité de bien faire les choses, de penser par soi, de se mouvoir aisément comme on avait l'habitude de le faire. Voilà. D'accord. Monsieur Salim, les conséquences du harcèlement sexuel et moral sont les mêmes sur la femme et l'homme, ou bien il y a une différence? Bon, je suis un chef d'entreprise. Donc, j'aimerais d'abord parler. Pour moi, au fait, l'harcèlement sexuel, d'abord dans le milieu professionnel, premièrement, c'est un sabotage. Le rendement même, par exemple, pour l'entreprise, déjà, il n'aura pas un bon rendement parce que même si les deux personnes, s'ils sont consentants, ça veut dire que le travail ne va plus, ça ne va plus donner, il n'aura pas vraiment du sérieux. Et maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les pratiquants, ou soit le victime, il n'aura pas vraiment du sérieux parce que, quel qu'en soit ce que, par exemple, celui qui est, par exemple, le subordonné, par exemple, qui, quel qu'en soit ce qu'il va faire, ne sera jamais apprécié, par exemple, par le pratiquant de l'harcèlement. Donc, déjà là même, ça crée un autre problème et le cadre ne sera plus vivable d'abord pour cette personne. Et aussi, le pressentiment que le victime peut en avoir, comme il n'est pas vraiment, il n'est pas d'accord avec cette pratique, la manière, il ne va pas bien se sentir, quel qu'en soit ce qu'il va faire, il va toujours se sentir lésé, qu'il sera toujours mal noté, et puis voilà. Ce qui est là, il va chercher à quitter l'entreprise. Donc, là, vous parlez de l'homme qui est harcelé. Oui, le victime. Je parle de victime. D'accord. Que ça soit de une. La victime d'une manière générale. D'une manière générale. D'accord. Parce que moi, je dis, ça dépend de la position. Mm-hmm. Si la femme est directrice, c'est possible qu'elle peut harceler aussi son subordonné ou bien son employé. Mm-hmm. Et même si c'est l'homme qui est directeur, il peut aussi faire une victime. Mm-hmm. Donc ça, je dis, ça dépend de la position. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça peut causer vraiment un grand problème dans le sphère professionnelle. Mm-hmm. Ça peut causer des problèmes. Ça peut aussi causer des pertes même pour l'entreprise, ainsi que même pour les pratiquants et les victimes. D'accord. Voilà. Vous insistez sur la position sociale, donc c'est pour dire qu'un subordonné ne peut pas harceler son chef. Mais le contraire est impossible. Le contraire, non, le contraire n'est pas impossible. D'accord. Le contraire n'est pas impossible, mais c'est contraire. Généralement, c'est pratiqué par les femmes. Mm-hmm. Parce que, vous savez, les gens disent que les femmes sont des sexes faibles, mais quelquefois c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, quand une femme, quand elle veut d'un homme, mm-hmm. peu importe la position de cet homme, s'il n'a pas la crainte de Dieu, je peux dire, mm-hmm. il ne peut pas vraiment se tenir devant cette femme. Mm-hmm. Les espions, généralement, on envoie les femmes. Pourquoi on envoie les femmes? Parce qu'on sait que la femme peut facilement démolir un géant. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Edwige, êtes-vous d'accord qu'un subordonné peut harceler son chef? Et M. Salam dit que oui, généralement, c'est avec les femmes que ça se passe beaucoup plus. Dans un contexte professionnel, un subordonné a harcelé son supérieur hiérarchique. Je ne vois pas trop comment. Je ne vois pas trop comment, parce que ici, il faudrait qu'on recadre un peu la chose. C'est que le harcèlement moral en milieu professionnel se manifeste dans le dénigrement, les insultes, les paroles humiliantes faites en public, la charge de boulot, le déclassement, la mise à part, comme on dit, on te met au placard et tout ça. Je me demande bien. Dans un milieu professionnel, comment un subordonné pourrait faire ça à son supérieur hiérarchique? Là, vous parlez du harcèlement moral. Moral, professionnel. Le harcèlement sexuel, maintenant, mais dans le cadre du harcèlement sexuel, ouais, c'est possible. C'est possible. c'est possible, mais beaucoup plus venant de la femme. Mmh. On ne verra pas
un subordonné masculin aller vers sa patronne, déjà il faudra beaucoup de cran, beaucoup de courage. Ce sera très difficile. Nous parlons du harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel et nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission. Madame Edwige, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les conséquences du harcèlement sexuel, moral en milieu professionnel? Oui, comme je disais tantôt, le harcèlement sexuel a de lourdes conséquences dans la mesure où ça touche le physique de la personne. La personne peut devenir timide. Donc intimidé, renfermé sur soi, parle peu, ne s'ouvre pas, a peur. Ça devient comme, comment dirais-je ça Bref, la personne a peur de tout le monde parce qu'elle ne sait plus qui veut quoi, qui va l'attaquer ou qui ne va pas l'attaquer. Et parallèlement, en milieu professionnel, ça peut pousser à une démission. Donc, si, pour les personnes faibles, si je ne peux pas supporter d'être tout le temps attaquée de cette façon, d'être harcelée sexuellement, et que je sais, que je sens que je n'ai pas de force contre mon adversaire, alors je préfère rédiger ma lettre de démission et partir. Ça, c'est sur le plan sexuel. Et sur le plan moral, ça a aussi de l'impact, dans le sens que le rendement va baisser. On n'aura plus l'engouement de faire les choses comme on les avait avant. On ne pourra plus porter des projets à bien parce qu'on aura besoin de l'aval de l'autre. On ne saura pas ce que l'autre va penser. Parce qu'en ce moment, si j'ai une idée formidable qui pourra élever la structure, parce qu'il y a ce souci, parce qu'il y a ce problème, ça peut être rejeté. Donc finalement, on devient incompétent. Et là, ce n'est pas bien pour la société. Donc voilà un peu les différents, quelque peu, les différentes conséquences qu'on peut avoir. D'accord. Alors ces conséquences sont les mêmes sur la femme qui est harcelée et sur l'homme qui est harcelé. Ou bien les conséquences sur la femme, c'est différent des conséquences sur l'homme. Je trouve que c'est les mêmes. C'est les mêmes parce que c'est l'être humain qui est harcelé et on a tous nos émotions. Mais la différence, il y aura certainement une légère différence parce que l'homme, il est censé être plus fort de mental que la femme. Il est un peu plus fort que la femme, donc il peut gérer. Il peut se dire, ok, je vais gérer, je suis un bonbon, jusqu'à ce que peut-être que celui qui harcèle, si c'est une femme, décide de le renvoyer. De le mettre au renvoi ou alors de le mettre au placard. Mais pour des hommes forts, même avec ça, ils continuent d'être là. Ils continuent de gérer son boulot. C'est pas facile, mais ils parviennent à gérer par rapport aux femmes. Par contre, la femme, elle succombe très rapidement. La femme, elle succombe très rapidement. Quand on dit succomber, c'est pas qu'elle se laisse aller. Donc, elle se laisse aller plutôt dans la dépression, dans le renfermement sur soi et tout ça. Elle perd ses moyens. Donc, c'est pas facile pour la femme. D'accord, M. Salim, en tant que chef d'entreprise, selon vous, quelles sont les conséquences du harcèlement sexuel, moral, en milieu professionnel? Je viens de dire que les hommes sont plus forts que les femmes. J'espère qu'on nous écoute actuellement, on nous regarde même. D'accord. Donc, en ce qui concerne vos revendications de 8 mars là, le nombre de femmes, on va chercher à réduire un peu parce que dans des positions, je ne sais pas, administratives, votre politique quoi, vous faites de promotion, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est là, les conséquences sont énormes. Là, il faudrait qu'on puisse d'abord comprendre de tous côtés. Vous savez que lorsque la personne est harcelée, la personne est tourmentée. Et là, imagine ce que la personne peut faire, il ne pourra pas le faire. Oui, il ne pourra pas le faire. Imagine si je suis tourmenté, tu me dis simplement de bouger cette bouteille d'eau, ça ne serait pas facile pour moi.
ça ne serait pas vraiment facile pour moi. Et là, ça peut causer des problèmes vraiment de tous côtés, dans le milieu professionnel. Et je suis très d'accord quand elle avait dit que la femme est vraiment touchée. Vous savez, lorsque la femme a un problème à la maison, un problème familial, ça peut affecter aussi son service. Donc si encore dans le milieu professionnel, elle est par exemple harcelée, que ce soit moralement ou sexuellement, ça va être vraiment de n'importe quoi. Donc les conséquences peuvent amener même l'entreprise à perdre des personnes de qualité et aussi peut amener aussi les personnels de cette entreprise, parce que l'entreprise doit plutôt être inconvivable. C'est là où on doit se sentir à l'aise, parce que nous passons toutes nos journées dans nos bureaux. Donc, si au bureau déjà ça ne va pas, ça veut dire que la vie de cette personne sera vraiment affectée. La personne sera déprimée parce qu'il fait 8 heures du temps là-bas. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des conséquences. Et si nous allons un peu plus loin sur le milieu éducatif, tout à l'heure, elle avait parlé de l'université, ainsi de suite. Il y a des témoignages vivants. J'ai une amie qui a abandonné l'école juste parce qu'elle est harcelée par l'un des enseignants. Et à un moment donné, l'enseignant vient, il l'insulte. Il dit de n'importe quoi. Et puis, elle se décourage, quelquefois elle quitte la classe, ainsi de suite. Par la fin, en deuxième année, elle a abandonné l'école. Mais aujourd'hui, elle fait les affaires, Dieu merci, tout va bien chez elle. Mais elle devrait encore aller très loin. Donc, il y a vraiment des conséquences par rapport à ça. Je ne sais pas comment je vais dire. Les conséquences sont énormes. Alors maintenant, comment réagir face à un harcèlement? Quelle est la meilleure façon de faire face à un harceleur? Est-ce qu'il faudrait le dénoncer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dire le dénoncer. Par exemple, ton directeur, tu vas dénoncer à qui? Si c'est ton directeur, imagine par exemple le PDG d'ici qui t'harcèle. Tu vas dénoncer ça à qui? C'est sa maison. Il pourra facilement te dire de partir. Le mieux, c'est de partir, si tu ne veux pas. Mais quand tu vois par exemple l'harcèlement commence quelque part, si tu vois que le monsieur commence à te faire des compliments, mais ces compliments sont au-delà des compliments normaux, là, il faudrait que tu l'arrêtes. Tu fais semblant de lui amener peut-être ton mari ou soit. Tu fais semblant, tu demandes à ton mari de venir au bureau, de passer comme ça peut-être à la fin de l'heure, te chercher. Et puis tu dis non, viens saluer mon directeur. C'est une manière de lui fermer la bouche. Mais il y a des femmes qui se cachent. Quand le directeur l'appelle, le directeur l'harcèle, elle décroche, elle communique bien avec le directeur. Et quelquefois, c'est elle qui accompagne le directeur faire ses shopping pour ses enfants. Le directeur lui laisse un peu des jetons. Par la fin, ça devient quoi? Donc, c'est des choses qui se préparent. Donc, il faudrait que dès le début, surtout pour les femmes, tu arrêtes la personne, tu dis qu'il faut arrêter. Moi, je ne fais pas ça, je suis avec mon mari. À des pareilles heures, ça ne va pas plaire à mon mari. Et appelle-moi pour le travail, mais ne m'appelle pas seulement pour des courses hors boulot, ainsi de suite. Là, si tu es direct, il va te respecter. Mais maintenant, pour nous les hommes, si c'est la directrice qui t'harcèle, mais il n'y a pas moyen à esquiver. Parce que tu sais, c'est la femme. Tu risques de perdre même d'abord ton travail. Et si c'est là où vous gagnez des primes, toi, tu risques de ne pas avoir les primes. Donc, il faut accepter. Non, mais il faut savoir comment gérer ça. D'accord. Madame Edwige, quelle est la meilleure façon de faire face au harcèlement? La meilleure façon de faire face au harcèlement, pour moi, c'est la dénonciation. Ouais. Il faut dénoncer. Avant toute chose. Alors, il faut dénoncer, mais où? Même quand c'est le boss, parce que lorsqu'on se tait, il a fait ça avec une, d'accord? On n'a pas dénoncé. Personne ne sait qu'il fait ça. Il fera avec une deuxième. Quand toi tu vas partir, il fera avec une deuxième, il fera avec une troisième. Il aura toujours des victimes parce qu'il est le boss. Alors si on ne dénonce pas pour stopper
pour stopper l'histoire. Ça va perdurer. Ça va perdurer. Donc, il faut qu'on commence à en parler. Il faut qu'on commence à le dire. À même au risque... C'est là le problème. Non, mais il y a des structures qui régissent le travail. D'accord. Il y a des structures qui régissent le travail. Il y a la justice. Et je ne sais pas si notre pays a des lois qui concernent le harcèlement, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de légal. Le harcèlement n'est pas légal, ça veut dire qu'on peut encore porter plainte au boss. Il n'est pas intouchable. Donc pour moi, il faudrait d'abord qu'on commence par la dénonciation avant d'arriver à l'attitude vis-à-vis de la personne. Donc commencer à repousser, à utiliser des astuces, des petits trucs sagement, pour repousser les avances, pour repousser ces attaques-là. Ça, c'est ma façon de voir. D'accord. Je pense que ce serait mieux. D'accord. OK. Merci beaucoup, Monsieur Salim, d'avoir contribué à ce thème. Merci également, Edwige. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci également à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Sans Tabou.